Dans cette vidéo, on s'intéresse à la courbe de résonance en tension d'un circuit RLC série à l'aide de la détection de crête sans seuil. Le montage est donné dans la figure. Le GBF délivre un signal sinusoïdal dont la fréquence varie entre deux fréquences limites, F start et F stop, durant une durée delta t. Le détecteur de crête sans seuil permet de récupérer l'enveloppe qui constitue la courbe de résonance du circuit. Celle-ci sera ajustée à la formule théorique pour déterminer la fréquence propre du circuit qui diffère de la fréquence de résonance, sauf pour les fortes valeurs du facteur de qualité du circuit. On procède à un balayage linéaire en fréquence entre deux fréquences limites, F start et F stop durant une durée delta t.
La résonance n'aura lieu que si le facteur de qualité est supérieur à 1 sur racine de 2. Et la fréquence de résonance diffère de la fréquence propre F0, sauf pour les fortes valeurs du facteur de qualité, où ces deux fréquences sont identiques. Les courbes de résonance sont parfaitement décrites par la formule théorique. Les fréquences de résonance et les facteurs de qualité extraits des ajustements seront ajustés à la formule théorique reliant le facteur de qualité, la fréquence propre et la fréquence de résonance.